Voilà, c'est parti donc. Et bien sûr, 18 minutes. Merci de vous donner un acte des voilà, en tous les cas, eh bien, on va retrouver donc le peloton. On rappelle un concurrent donc qui a chuté, apparemment sans gravité. On attend les dernières infos du côté, eh bien, de ce peloton donc des minimes donc première année. Voilà, fin du premier passage. On rappelle donc, eh bien. Mets-toi sur le côté, s'il te plaît. Voilà, 11 tours. Un peloton eh bien étiré que nous avons plaisir en tous les cas. Eh bien, retrouvé. Voilà, 11 tours, messieurs. Voilà, eh bien, le véhicule directorial, on retrouve en tous les cas, eh bien, le peloton. Voilà, dernière info, et bien environ 7 contentes et 11 sorties donc à du peloton. On rappelle qu'il reste 10 tours maintenant, et bien à couvrir, attaque en tête de peloton, le club d'avis en tous les cas, le 22, on retrouvera également, et bien Luvi Pino Anisi donc installé en tête de peloton avec, et bien Seth Bachelet, et il porte notamment donc le 219 en 1. Voilà donc 9 tours de l'arrivée. Il va manger, non, il va pas manger ta main. Voilà un nombre de 7 coureurs vraisemblablement installés donc en tête. Voilà, c'est groupé à l'avant. Allez, 16, 23, 19, 22, 17, le 18. Vraisemblablement, voilà donc les 8 derniers tours, voilà de circuit effectué, et bien pour l'ensemble de ce peloton. Voilà, l'homme de tête a été retrouvé, on va retrouver et bien Luvi Pino Anisi installé donc au commandement, le CBA en deuxième position, troisième position, et bien le 139. Voilà, 8 tours de l'arrivée. Voilà, peloton groupé, Luvi Pino Anisi toujours en tête, et bien de celui-ci en tous les cas. Et bien 7 tours, messieurs, qu'il vous reste à effectuer, 7 tours. On retrouve également le 16 du côté du club organisateur avec Nathan Van Snick, également dans les toutes premières positions, et bien de ce peloton. On rappelle donc 7 tours de l'arrivée. Voilà, et bien nous affichons donc les 6 derniers tours. Voilà, vraisemblablement, et bien pas de changement. Pas de changement sur la composition de ce peloton, en tous les cas, avec cette Bachelet, donc Lévi Pinon, installé en tête de ce peloton. Le 16 également, avec et bien l'identité de Nathan Van Snick, le cœur de l'équipe, et bien l'entente cycliste de la Vallée de l'Aisne. Aucun changement. Voilà, seul le nombre de tours change. Voilà, un nombre de 5. Voilà, tandis que la tête est inchangée. Un peloton donc, eh bien, toujours groupé à 5 tours de l'arrivée. Voilà, 4 tours donc de l'arrivée. Voilà, pas de changement, hein, toujours la composition et bien de 2 hommes de tête depuis, en tous les cas, et bien de nombreux kilomètres maintenant. Voilà, pas de changement, messieurs, vous êtes groupés. Voilà, vous êtes en tête, en tous les cas, à 4 tours de l'arrivée. Allez, 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 allez
tous les cas, donc, à l'amorce, eh bien, du dernier tour à deux circuits pour ce peloton. Voilà des minimes, donc, première année. On rappelle qu'ils avaient 20 km 400 au total, donc, à parcourir. Il restera 1 km 700. Dernier tour. Vous partez pour l'arrivée. Dernier tour. Et bien, ils prennent donc le dernier virage en direction donc de l'arrivée finale à le sprint à qui était annoncé en tous les cas inévitable, qui va s'imposer et être le plus rapide de l'épreuve, accompagné par les applaudissements du public, la formation de Pinot.